Et salut tout le monde, c'est Zofil, on se retrouve pour le journal de la chaîne de juin 2014. Donc pour commencer les champignons, ben c'est foutu. Je vous ai parlé d'un serveur dans Modern Minecraft. Modern Minecraft, on va y revenir plus tard. Alors je vous ai parlé d'un serveur Amachi, mais ça marche pas parce que Kickstarter 74 a une connexion en papier mâché, ou alors c'est un problème et ça tient de la connexion. Modern Minecraft, j'ai eu des retours assez positifs et négatifs en même temps. Mais je pense que l'épisode 3 qui va sortir bientôt va beaucoup vous plaire. Parce qu'il y a plein de choses. Plein de choses que vous allez découvrir qui sont tout simplement énormes. Je compte télécharger d'autres modpacks du pack Attack of the B-Team et Crazy Craft. Alors. Deux questions. D'abord, pourquoi des deux mots de pack ou d'un mot de pack apparemment? Parce que je veux m'assurer de la compatibilité des mods. Attendez, on va enlever les bruits parce que ça commence à. Music and sounds off. Et voilà. Parce que je veux m'assurer de la compatibilité des mods, donc je commence à le faire avec deux mod packs. D'abord des mods avec deux mods et qui sont dans plusieurs mod packs. Mais je pense qu'après je me penche, j'ai plutôt une préférence pour Attack of the B-Team. Surtout que je suis régulièrement la série de Reliant. Où ça se prononce Reliant et pas Reliant, comme Fanta et Bob. D'ailleurs, j'aime pas trop Fanta et Bob, surtout leur série The Dream. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 20 environ, puisque j'ai arrêté parce que tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'est tuer des dinosaures. Voilà. C'est pas vraiment le but de la série pour moi. Et en plus, ils commencent à faire un peu trop de bide. Bon, maintenant parlons de ma chaîne. Où est-ce que j'en étais? Modern Minecraft. Oui, Attack of the B-Team. Et alors pourquoi pas tout de suite installer le mod pack? Tout simplement parce qu'il y a à l'intérieur des mods que j'ai pas envie d'avoir et qui me dérange. Galacticraft, vous savez déjà que j'ai pas envie de l'installer parce que ce n'est pas un mode très crédible et moi je suis assez pas maniaque mais assez sont un peu strict sur ce qui est de la crédibilité parce que des PNJ bleus et des arbres sur la lune ça fait un peu glauque voilà. Sinon le mode morph, c'est un mode très sympa, même si c'est pas crédible, mais il est amusant. Parce que les deux et pour que j'installe un mode, il faut qu'il y a plusieurs conditions. Il faut que ce soit dans l'un des deux modes, dans le mode pack Attack of the B-Team. Il faut soit qu'il soit amusant, soit qu'il soit crédible. Ou même les deux. Morph, il me tente bien. Le seul problème, c'est que je sais pas m'en servir, je sais pas quelle touche utiliser pour se changer. Et après, j'ai pas envie que. La nuit, je tue un monstre et je me transforme en ce monstre et je sais plus comment me transformer en Zofill. Voilà, c'était tout pour moi de Minecraft. Si vous avez des questions à poser, dites-le dans les commentaires. Vous avez depuis longtemps réclamé de nouveaux spawn blocks. Ça fait longtemps que j'ai interrompu ça parce que je suis maintenant concentré sur moi de Minecraft. Mais je vais bientôt sortir un nouvel épisode de spawn block. Oui, je promets de. J'ai l'impression que vous préférez avoir des épisodes qui s'interrompent brusquement plutôt que des épisodes de 5 minutes. Et je suis complètement d'accord avec vous, puisque déjà, j'ai pas encore installé Fraps, je n'ai que le logiciel minable qui est Bandicam. Vous avez un gros Bandicam au-dessus de moi, là. Ça fait bien moche. Voilà, donc j'aurai Fraps et je pourrai aller chez plusieurs spawners à la fois. Et dans ce cas, vous aurez des épisodes plus longs. Je ferai des épisodes de 20-25 minutes. Voilà. Vous ayez quelque chose d'un peu plus long. Oh, on dirait quelque chose à côté de moi. Je suis sur le serveur Hive MC, là où j'ai fait le hide and seek. Si vous voulez que. Ah oui, les Hunger Games. Je dois toujours pas continuer. Parce que je suis un peu nul en fait. Hunger Games, j'ai fait qu'une seule victoire. C'est dans l'épisode 15. Et c'était pas sur le serveur d'Apixel, ni sur ce serveur-là. D'ailleurs, j'ai pas encore essayé le Hunger Games là-dessus. Je pourrais d'ailleurs essayer. Une fois que j'aurai fini le Hunger Games, je lancerai une série mini-jeux
100 épisodes où je ferai un mini-jeu, quel que soit le serveur. Ça fait Hero Man Return. Ah oui, j'ai recontacté Gaël il n'y a pas longtemps et on va enfin pouvoir continuer et terminer cette série. En fait, avant qu'on avait commencé à filmer, quand j'avais encore un... Parce qu'avant d'acheter Minecraft, j'avais un Minecraft craqué que... de Gaëtre, mais maintenant c'est fini. Maintenant j'ai mon Minecraft acheté et j'avais pas encore fini. Et vous avez mon magnifique skin. Et pour répondre à une question, oui, c'est moi-même qui ai fait mon skin. Où est-ce que j'en étais? Non, non, Hero Man Return, voilà. Après, avec Kid, le comment s'appelle Zombie Apocalypse, je pense qu'on va pouvoir finir. Je pense que ça va aller, mais je suis déjà content qu'on va pouvoir finir le Hero Man Return. Parce que vous aimez bien cette série, j'ai l'impression. Alors que ça s'est raté à 6 épisodes, et Gaël ne va pas pouvoir filmer. Parce qu'il était sur un autre ordinateur. Murtag, je sais pas si je vous en ai déjà parlé de lui. Ou Xestrox. Si, si, je crois que j'en ai déjà parlé de lui. Il a fait n'importe quoi cet ordinateur, oui, parce que. Moi et Gaëtre, on se connaît dans la vraie vie aussi, hein, et lui et Xestrox aussi. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le point sur toutes les séries. Et je prépare également un tutoriel parce que j'aimerais me lancer un peu dans les command blocks, où j'aimerais m'améliorer et devenir plus fort pour avoir des épisodes un peu plus RP, comme on dit toujours. Voilà, je pense avoir répondu à de nombreuses questions ici, à de nombreuses interrogations. Je compte faire une playlist un peu de toutes les séries, histoire de faire un peu d'ordre là-dedans. Et peut-être un Twitter, mais j'ai déjà essayé le Twitter, mais malheureusement, ça s'est crashé mon ordinateur. Je sais pas si c'est juste aujourd'hui, enfin là, le jour-là. On verra. Voilà, c'était tout pour ce mois-ci. Là, j'espère que je n'ai rien oublié, sinon je le dirai dans les autres vidéos. On se retrouve dans le mois prochain pour le prochain journal de la chaîne de juillet 2014. Allez, bientôt!